Bonjour, bonjour les amis. 19e journée du défi Trans-Australia. Alors, je suis sur la route. Je suis reparti. Beaucoup de messages d'inquiétude. Je vous en remercie. C'était sympa pour savoir comment j'allais, qu'est-ce qui se passait, etc. Ben, en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'hier, j'étais littéralement épuisé. Et la stratégie de s'arrêter au 60e kilomètre hier pour que j'aille me coucher et que je dorme était une bonne stratégie. J'ai dormi 11 heures non-stop. Sur levé ce matin à 3h moins le quart. Et puis on est reparti. Donc je suis reparti beaucoup plus frais, reposé. J'avais récupéré un peu d'énergie. Après voilà, les aléas de l'ultra-fond, c'est qu'il y a toujours un bobo qui pousse l'autre. Donc le tendon toujours présent et depuis ce matin j'ai une grosse contracture au mollet qui m'empêche d'avancer fort quoi. Voilà, donc bon, ceci étant, j'avance. Je pense que je vais boucler ce soir, on va installer le bivouac au 97e kilomètre. Donc je pense que je vais m'arrêter au 97e pour ce soir. Sinon on est toujours dans le timing du record. J'ai toujours un tout petit peu d'avance, donc ça s'épuise hein, cette avance forcément, surtout avec un break comme j'ai fait hier. Mais bon, pour l'instant je suis toujours dedans. Alors j'espère que cette contracture au mollet va disparaître demain et puis qu'on va pouvoir enfin faire une journée à peu près propre et courir à peu près convenablement. Ça serait sympa. Ceci étant, voilà, je suis toujours sur la route, tranquillisez-vous, ça va bien. Je vais continuer ma route, vous allez continuer votre journée. Je vous dis, sportez-vous bien. Ciao, à demain pour la numéro 20. Ciao.